Systems online. Et bonsoir à tous. Petit live ce soir, étant donné qu'on n'a pas pu hier. On va se lancer dans le monde de l'AV, vu que la radio nous dit rien. La dernière fois que vous avez donné un message, on a eu un message complètement chelou, illisible. Donc on va se lancer, on va avancer nous-mêmes. On sait ce qu'il faut faire, entre guillemets. Je pense qu'on sait ce qu'il faut faire. On va se lancer dedans. Juste avant, on va faire le MK2 pour le Cyclops. Et salut! On va faire le... Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut mon couteau? Tiens. Tiens, mon couteau. T'es où? Tiens. 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 Mais je crois qu'il est mort. Voilà. On m'attaque pas comme ça, moi. Donc, je disais... On va faire le MK2 pour le Cyclops. Pour que le Cyclops puisse aller plus loin. C'est une épave. Ah, je pensais que c'était des débris, pas des épaves. Moi, je voulais des débris pour le faire. Ouais, je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà vu. Je l'ai même cuté plusieurs fois. Il a voulu se battre avec moi. Il s'est pris des coups de couteau. Bon, il a gagné. Mais j'ai essayé. Au moins, je me suis dit, je perds pas. Tu vois, je meurs pas en mode lâche. J'ai tenté ma chance. Je l'ai regretté, mais j'ai tenté. Qui tente rien n'a rien. Ah, la maison. C'est pas par là. Heureusement qu'on a les qu'on a les balises. Hein. Sinon, on ne retrouverait jamais la maison. Comme ça, on fait le MK2 du Cyclops. On le met en place. Et à partir de ce moment-là, on part sur le monde de l'AV. On va essayer d'explorer la live. En plus, surtout que avant de déco le dernier live, donc mardi, nous avons créé la combinaison de plongée renforcée. Donc on va devoir être on va être bien dans le monde de l'AV. Et si je me trompe pas, on a mis on a un bouclier et tout pour notre Slipknot. Oui, sûrement. Après, j'ai tout balisé, j'ai tout mis en place. Je sais où exactement où est le trou de lave et tout. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite pour y aller. Ça va aller très très vite. Juste, je vais faire mon MK2. Comme ça, on va lancer le MK2. On va se mettre aussi en place. On va récupérer de la bouffe, de la bois. On va pas faire comme la dernière fois où on a foncé comme un gros teubé. À chaque fois, on fonce et on se retrouve dans la mouise. Parce qu'on a foncé comme un idiot. Mais bon, c'est ma marque de fabrique, je crois, foncer comme un débile. Et pas faire autrement. Encore? Oui, on en avait trois. J'avais oublié. Voilà. Lingot, plastacier, il nous manque de lithium. Je crois qu'on les a les lithium normalement. Normalement on les a. Déjà il nous faut ça. Ça doit être là-bas. On va aller voir. On va aller voir ça tout de suite. Lithium, parfait. Je savais qu'on les avait. Vu la quantité de lithium qu'on a récupéré la dernière fois, c'est obligé qu'on les avait. Allez hop. Ça c'est fait. Allez, il n'y a plus qu'à améliorer. J'aime quand ça va vite comme ça. Oui, on a récupéré un œuf aussi. On voulait le mettre dans le bassin. On va mettre un œuf supplémentaire dans le bassin pour voir ce que ça fait. Coucou. Là, un œuf de créature. J'espère que ça va nous donner un nouveau monstre. Et pas le même. On verra. On verra sûrement quand on reviendra de notre farm. Il aura sûrement éclos. Le Ricard est prêt. Petite machine à Ricard. Allez. On va le prendre, comme ça on l'aura. Ça nous fera un Ricard d'avance. MK2. Voilà, nickel. Ok, et le MK3.
Lingot de plastacier et 3 distènes. Alors le souci des 3 distènes, c'est qu'il nous faut aussi des distènes pour la fusée. Et la fusée, elle est vraiment importante. Je veux qu'on la fasse. Elle est où la fusée? Je l'ai perdue. Elle est où? Elle est où, petite fusée? Viens me voir. C'est là. Il en faut 4. Ah, par contre, des soufres, on n'en a pas assez. Il va falloir qu'on aille récupérer des soufres. Donc, si sur le chemin on chope des soufres, 2, 3, 4. Ah ouais, on n'en a qu'un seul. Donc, on va le garder. On va juste mettre le MK2. Voilà. On va prendre de la vie. Ok, et on va chourer. Voilà, une barre. On va prendre une barre et on va prendre de la vie au cas où. Voilà, c'est toujours mieux. On a un peu plus de vie. Alors, il est où? C'est pas là. Bien sûr. On va tous les faire. Hein. On n'avait pas commencé? Sérieux? Ah bah oui. Dans ma tête, on avait commencé. Voilà. Non, parce que celle-là, cette grosse Bertha, nous en a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Alors. Hop, MK2. 1300 mètres, c'est bon ça. Alors maintenant, on va chercher le Cyclops. On va le mettre dans Bertha. Et on va amener Bertha là-bas. Non. On va reprendre le prône. Ça sera mieux avec le prône. On va prendre Rosie. Welcome aboard, Captain. Rosie a le bugué. Pourquoi Rosie, tu veux pas que je te rentre dedans? Ah, si. Aïe, on est dans Rosie. C'est parti. Alors on vise bien. C'est tout droit. Hop, on est dedans. Nickel. Allez, c'est parti pour le monde de lave. Alors juste 2 secondes. Je vérifie un truc. Hop là. Allez, c'est parti. Ah, vérifions les batteries. Non, parce qu'on est capable de tomber en rade. 72, 70. Ok. Ça va les batteries. Au revoir, ça devrait le faire. Au feeling. Une petite sauvegarde. Ça fait toujours du bien, une petite sauvegarde. Et c'est parti. Alors, hop. On allume les moteurs. Et on va direction. Direction perdue. Il est où perdu? Il y a le Slipknot. Là, il y a gros squelette. Là, il y a la lave. Donc, normalement, là, c'est là-bas. Ouh, il a du mal. Ouh, il a du mal. Ouh, il est gros. Oui, là-bas. C'est parti. Ah, j'aime pas le conduire, la Bertha. La Bertha, elle est lourde. Elle est lourde de fou. Et tu avances? Ah, c'est bon. Donc on va pouvoir monter à 1300 mètres. Et on n'oublie pas la balise. Ça nous évitera de perdre Bertha comme la dernière fois. Mais de quoi? Oh, il y a trop de terre dans cet océan. On n'a jamais vu ça. Autant d'eau dans un océan. On a bloqué... Ah, c'est bon. J'ai cru qu'on l'avait coincé. Ça passe, ça frotte, mais ça passe. Ellie!
toutes ces bêtises, on va le bloquer. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça fait pas plus d'une pièce de 2 euros, c'est bon, ça passe. Pour qu'on coule. Ouais, c'est bon. Mais ça touche pas, c'est dans la tête. Allez! Ça passe! Allez, un peu plus de fond là. Ça touche de partout. Ou qu'il est gros. Ou qu'il est gros. Ça rentre là-dedans. Ouf. On a mis les pleins phares. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Ça va passer. Force. Je force. Dans le tunnel. On rentre dans le tunnel. Allez, je rigole si on rentre dedans. Non, on va rester coincé. Avec tout ça, on lui a quasiment retiré presque rien en vie. Hein. Elle est solide, notre Bertha. Ah, je crois qu'on a réussi à trouver un peu d'espace. Elle a l'air plus accessible. On est dans les vignes. Dans les algues, dans le varech. On le saura le faire, c'est bon. On a trouvé de l'espace. C'est tout droit. Ouais, on est bon. C'est tout droit. Ça touche quoi? Ça touche les vignes. Ça touche. Y a pas de terre. Où t'as trouvé de la terre? Putain, une chochotte. Une chochotte, notre Bertha. Genre, ça frotte et ça frôle. Et elle pleure. On va éteindre les phares, au cas où si on se fait attaquer. Ça pue l'attaque. On va se faire attaquer, c'est sûr. Pourquoi ça avance plus? J'ai l'impression qu'on a trouvé un petit coin tranquille. Je me demande si on peut réussir à aller jusqu'à la lave sans... Avec Bertha. La grotte, elle est plutôt grosse. Hein. C'est pas une petite grotte. Il y a moyen de rentrer avec Bertha dedans. D'enfourner Bertha. On est en biseau. Vas-y, on est en Y. C'est bon, on arrive. En Y, en Y, en Y. Ah, c'est bon, on se redresse. Alors, est-ce qu'on va réussir à rentrer Bertha dans le trou? Sûr. Ça bloque. Qu'est-ce qui bloque?
Même pas si on a de la vie ou un truc comme ça. Je vois pas la vie. Vraiment, on a de la vie étant donné qu'on prend feu. J'imagine même pas les mecs qui font leur base dans le Cyclops. Comment ça doit être? Comment ils doivent galérer pour se déplacer? Il y a des zones quand même, elles sont basses. Faut faire des détours de fou. Alors tu rentres pas avec un camion dans certaines villes. Alors ça a l'air d'être par là. Vu qu'on l'a pas pris du bon sens, j'arrive pas à me repérer. Ouais, c'est bon. On l'a retrouvé. On va éviter de la défoncer avec Bertha. La balise. Ça serait moche. Genre de détruire sa propre balise avec son propre vaisseau. Ça serait drôle. Ça serait un truc que je suis capable de faire. Oh, comment elle est pas maniable de fou. Un truc. Et on rentre dedans. Qu'est-ce que ça donne? Ah! C'est mieux avec les phares. Passe pour le moment. Activé. LOL, il y a un klaxon, j'y avais même pas. Je viens de découvrir ça. Je crois qu'on récupère du soufre cristallisé, cristallin, pour le morceau de fusée. Et pour le moment ça passe, hein, la grotte est assez grande. Si on peut même l'amener jusqu'au domaine de lave. Est-ce que la faille est assez grosse? On verra. On va tester. Allez, ça commence à toucher. Commence à frotter. Je vais rigoler, c'est pour sortir de là. Avec un bousin pareil. M'attaque pas toi. M'attaque pas toi. Oh. Hey. Tu vas prendre mon coup de couteau? Il va rien comprendre. Alors, est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer. Par contre, je vois plus rien. Attaque de créature. On se fait attaquer par quoi? Attends, on va éteindre les phares. Ah, il était éteint. Où ça? Vite, le réparateur. Où c'est cassé? Où c'est cassé? On va réparer. Vite. Allez. Là, on a la soif, la faim. Mais... Vite, pour réparer. On se fait attaquer par quoi? Là c'est bon? Ah là! Oh le gros trou! Ce trou!
Hop, le trou. On a fait un bisou magique. Il a fait un bisou magique. Viens là, le poisson. Viens là, le poisson. Mais... Viens. Je vais te stas, tu vas rien comprendre. C'est pas beau ça. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Ça se mange pas, ça. Je pense pas. Hé! Attends là, toi! Je prends mon bateau! Ma Bertha! Voilà! Yes! À manger! Bon, par contre, le à boire, pas terrible. Alors, comment allons faire ça? Je pense qu'on va la laisser là. On va la réparer. On va sauvegarder. C'est quoi ça? Chien! C'est bon, c'est mort. Voilà. Je crois qu'il y en avait une troisième. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en avait une troisième. Là. Tiens, vire. Je suis pas à Bertha. Voilà, Bertha, elle est toute réparée. Allez. Ah, je crois qu'il est mort. Il est mort, il est mort. Il est mort. On va vérifier si elle est réparée. Et on va prendre Rosie. Peut-être faire un demi-tour. Comme ça, on aura une meilleure vision. Ouais, c'est bon. Elle est réparée. Ouais, ça a l'air bon. Alors, tapons le créneau. On va lui mettre la tête vers le bas. Voilà. Voilà, on va la mettre là. On va éteindre le moteur. On va tout éteindre. Que ça se passe pas attaqué. Voilà. Comme ça, c'est un objet inanimé. Personne ne la touche. Je me demande si on peut créer une distillerie. Un petit Ricard sur le Cyclops. Et on va regarder. On va regarder. On peut créer une distillerie. Alors, elle est où la distilleuse? Alors, est-ce qu'on peut la mettre? Bon, c'est dommage. Je crois qu'on peut pas. Oh, c'est dommage. Ça serait trop bien qu'on puisse mettre une distilleuse. On aurait une machine à rhum. On aurait le Ricard et le rhum. J'essaye quand même en bas, voir. Bon, là, ça ira pas. Non. Non, on peut pas mettre. Dommage. J'ai vu un truc qui m'intrigue. On va aller voir. Ah, c'est du cristal bleu. On va aller récupérer. On va prendre en Rosie, de toute façon. On va s'enfoncer dans cette lave. Le sol is lava. Allez, c'est parti. On va choper ça déjà.
Oula. Oula là là. Pas marcher dans la lave. Voilà, on va récupérer ça. Et si on arrive à en choper 3, on va pouvoir faire le MK2. Le MK3. Vu qu'on a plus ce qu'il faut pour la fusée. Allez, file-moi-en un troisième. Pas gentil. Il a pas voulu. Le dernier. Il nous manquait le dernier. Yes, il y en a 3. Alors par contre. Je pense qu'on va placer Bertha autrement. Parce que sinon on va galérer pour rentrer dedans. Même sûr. Après ça a l'air de marcher comme ça. Ou pas. On peut s'est monté dessus. Ah, bah ça a marché. Lol. Bon bah si je peux m'aimanter dessus. Ok. Bon. Non moi je veux... Alors, je veux pas rentrer dedans. Je veux la vider. Je veux vider Rosie. Alors comment on peut la vider du... ici. J'ai l'impression qu'on peut pas. Il va falloir la ressortir. Il va falloir la ressortir. Je vais faire manuellement. Après, c'est pas grave, ça se fait. Onde. Hop là. Hop. Ouais, j'ai l'image qui... pétarade. J'ai quand même bien envie de la bouger de place. Et je viens de voir que même le grappin il est rose. Même le grappin est rose. Alors. Bon bah voilà, on a nos 3. C'est parfait. Parfait. Et on va libérer ça quand même au cas où. On va pas prendre de risque de la perdre. Voilà. Clairement pas de prendre de risque de la perdre. Heureux que tout le monde s'affiche sauf elle. Étant donné qu'elle est buggée. Donc on sait que c'est balise 11. Donc Bertha c'est balise 11. Allez, c'est parti pour la lave. YOLO. C'est quoi ça? C'est du quartz. YOLO. Hop là. Ça, c'est de la chute. Ça, c'était beau. Alors. Donc, on a pris Rosie pour pouvoir... Ah, de l'or. Ah si, de l'or, on en a besoin. On a commencé à diminuer en or. Comme ça, on va pouvoir se refaire un petit stock d'or. Déjà. C'est quoi ça?
Dégage! Dégage! Dégage du vaisseau! Je vais le cuter! Tiens! 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 Non mais oh! Mais j'y crois pas! Je me fais sucer! Comme ça! On me suce pas sans me demander! J'y crois pas! C'est quoi ça? C'est du soufre cristallin? Il nous en faut. Ah non, c'est du nickel. Ah, je l'avais pas inspecté? J'avais pas inspecté le nickel! On en retrouve un. Il nous faut pour le Pokédex. Et ça, on l'avait inspecté ou pas? Oui. Il a pas l'air de nous le demander. Alors. Donc. Balise. Là. Donc tout droit vers là-bas. On aurait peut-être dû prendre le Cyclops. Je sais pas. Je m'en rends pas compte. Le souci, c'est que si on tombe sur des mines comme ça, c'est plus intéressant avec Rosie, quoi. Parce qu'au moins, avec Rosie, on peut les récupérer. Mais... Je veux te battre. Je veux te battre. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Alors déjà le Pokédex. Vite, 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 vite. Écoute, couteau. Tiens, moi je te cut. Moi je te cut. Voilà. Il est encore vivant. Mais ça veut pas mourir ça. C'est incroyable. Ça veut pas crever. Mais violent. On sent plus la vie dans ses yeux. Il y a plus de vie dans ses yeux. Mais s'il est encore vivant le bâton. Bon, on va bouger de là. On va bouger de là. Ah, on va bouger de là, on va bouger de là. Ils sont invincibles. Ils sont invincibles, ils sont invincibles. On va par là. Si, par là. Je sais pas. Non. Si, on va par là. Ils sont invincibles, ils sont invincibles. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Ça sert à rien d'insister. Par contre, faut qu'on trouve du soufre cristallin. C'est quoi? C'est de l'or. Requin des sables. Œuf de requin des sables découvert. Oh! Ah, ça doit être dans l'aquarium. Ça y est, ça éclot. Je vous avais dit qu'il allait éclore pendant qu'on était pas là. Alors, à ce que j'ai compris, normalement, il y a un château. On est censé découvrir un château. Pourquoi je brûle?
Mais... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Allez, remonte, remonte, remonte. Et au bout d'un moment, hein. Bon, je me casse, tant pis. Ils vont bien arrêter de me suivre au bout d'un moment. Je m'en vais. Oh! T'assure, on l'a pas dans le Pokédex. Yes! Le squelette! Oh, ça mérite un screen, ça. Ce squelette de ouf! Lol. Il reste l'écran. Faut faire un... Oh, faut faire une photo. On va faire un screen. Hop. On va essayer de... On va le faire dans l'autre sens. On aura Rosie aussi avec. On va voir Rosie. Oh ouais, là, là c'est cool. Oh ouais, là c'est trop cool. Parfait. On a le... On a le Insta du aujourd'hui. Du aujourd'hui, c'était très français. Vous aviez compris. Par contre, on n'a plus rien à boire. Mais lol, on était full soif. On a déjà plus rien à boire. Et on n'est même pas à la moitié de la recherche. Vous savez qu'on va devoir arrêter. Et qu'on on va devoir y retourner avec de... Bah, divers boissons. Sinon, mais on aura fait tout ça pour rien. On va avancer encore un peu, on va voir. Au feeling, comme d'hab. Comme d'hab. C'est avec de la chance, on va tomber sur une boisson qui traîne dans la lave. Avec beaucoup de chance. Ah, il y a un gros trou. Qu'est-ce que c'est? On dirait un volcan. Nouvelle profondeur critique. Oh oh. Oh oh. Le prône, il aime pas ça. Le prône, il aime pas ça. Rosie, elle aime pas ça. C'est trop profond pour elle. Je vais essayer d'y aller à la main. Voir si je peux. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est que tu recherches. Je veux t'aider. Et la vision qu'on nous a parlé. C'est où? C'est vers où? Non, fais marche arrière. Va tomber. On va mourir de soif. On va devoir rentrer, on va revenir. Pas grave. On va voir si je peux y aller à la main. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas l'air d'avoir quelque chose. Pas l'air d'être là en fait. Vas-y. Diamant. On commence à manquer en plus en diamant.
il y a l'air de rien avoir là. Oui, je sais, j'ai vu. On va rentrer, t'inquiète. Ok, ouais. On va rentrer, on reprendra. On a vu qu'il y avait un gros trou là. Et c'est parti. Bon. On va y retourner. On va rentrer à la maison. On va se charger en bouffe, flotte et tout. Par contre, je crois que le plafond a dû diminuer. C'est bien par là. Là par contre c'est pas sûr du tout. Même avec les balises on est capable de se perdre. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Allez. Ouais c'est bon, on l'a retrouvé. Donc là je pense qu'on va se laisser mourir. On repop. Et quoi? Et m'attaque pas, m'attaque pas. J'ai rien demandé. Me touche pas. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Pas touché. Mais Tarzan. Ali, agrippe-toi. Voilà. Putain. Alors. On peut pas boire un extincteur. Boire de l'extincteur, ça serait bien. Allez. Est-ce qu'on a un stock d'eau? Bah non, on n'a pas de stock d'eau. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est... Réfléchissons. Vite et bien. Moi je dis, on sort en cours à la maison. Avec de la chance, on va tomber sur un poisson, on peut faire de l'eau. Non mais je pense qu'on va faire, c'est qu'on va faire une masse de bouteilles. Oh, perdu. Il est là-bas perdu. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'on n'y arrivera pas. De toute façon, on va se laisser crever, ça va nous renvoyer à la maison. On va aller chercher, on va récupérer masse de bouteilles et tout, et après on va aller revisiter la lave. Déjà, on a eu une des premières visions, les visions qu'on nous parlait. Donc déjà, c'est bon signe, ça nous fait avancer. C'est très bon signe, même. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Impossible qu'on y arrive. Il y a encore 500 mètres pour celle-là. Et sûrement plus de 1000 km pour l'autre. Et on y arrive?
Teinture des poissons. Oh oui, j'y ai pas pensé. Les poissons, ça donne de l'eau. Normalement, ça donne de l'eau, les poissons. Yes. On va peut-être réussir à survivre comme ça. Genre un petit poisson par petit poisson par petit poisson. On va essayer pour voir. Le temps de chasser le poisson. Maintenant, faut qu'on remonte à la surface pour la pour vous respirer pour l'oxygène. L'oxygène, on peut y arriver. Et lui, en kilomètres. Je pense que même en bouffant une tonne de poisson, on n'y arrivera pas. Allez! Allez! Et on l'a eu. Mais ça, c'est pas grave. L'oxygène, on peut y arriver. On est qu'à 100 mètres. Easy, l'oxygène. Yes! Bon, il n'y a plus qu'à essayer de rentrer à la maison. Avec de la chance, on y arrive. En bouffant des poissons. Y'a là. Y'a là. T'es où? Yes. J'ai eu. Eh mais on va y arriver, hein. Ça va être long, mais on va y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver. On peut le faire. On reste pas trop loin de la surface. On va essayer de choper un petit poisson de plus. On va essayer de se faire un petit poisson. Là. Là. Il y a notre victime. Tiens, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Yes. Notre victime. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. À force de manger des poissons, on va y arriver. Mais c'est même sûr. On va manger des poissons. Et on va arriver à la maison. Poisson, maison. Poisson, maison. Coucou. On en sort là à l'instant. On a eu un message télépathique. Mais juste qu'on était en train de mourir de soif. Donc je suis en train d'essayer de rentrer à la maison sans mourir. Ça va être un exploit. Je peux pas te casser le coquillage. Oh, il peut pas, il va pas se casser.
c'est pas le bon, c'est pas la bonne en plus. La maison, elle est où la maison? Elle est où la maison? On n'aurait pas dû s'arrêter. Là, 300 mètres. On va y arriver. Allez, il y a juste à rentrer dans la maison et à boire un Ricard. Sur la distilleuse, elle est prête. Sur le Ricard, il est prêt. Allez, allez, on y est presque, on y est presque. On va le faire. Yes. Yes, 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 yes. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Le Ricard, il est prêt. Le Ricard, il est prêt. Yes, on l'a fait. Sauvé par le petit Ricard. Alors, on va aller voir l'œuf. L'œuf, il est éclos. C'est quoi? Oh, trop cool. On est une nouvelle espèce dans l'aquarium. C'est trop bien. Sacré sourire. Il est content. Il est content de nous voir. Cool. Alors. Le voici. On va se mettre en place. Alors déjà, on va changer toutes les batteries. On va changer toutes les batteries de tous les appareils. Si on en a besoin. Voilà. Et parfait. Voilà, comme ça on a changé toutes les batteries. On va récupérer de la vie supplémentaire parce que là-bas, ça en demande pas mal. Et on va faire de la javel. Il faut corail titulaire, du corail al choléra. 6. Je crois que du sel on en a en masse aussi. 1, 2, 3. Ça fera 5 avec les deux là-bas. Et il y en aurait. Oui. Voilà. Parfait. Alors, javel. On va faire 6 javel. On devrait avoir assez de bouteilles d'eau. Alors, comme ça on sera en place, on va pouvoir continuer à inspecter le monde de lave. Surtout qu'on a eu une première vision, du moins un message télépathique. Donc c'est bon signe. C'est cool que ça périme pas l'eau. Faut pas en faire beaucoup. Voilà, nickel. Bon, comme ça on va pouvoir en stocker dans le vaisseau. Au retour. Là. Bon, la radio, il y a toujours rien. On va se chercher à manger et on retourne là-bas. On va prendre le Slipknot. De toute façon, le Slipknot il est repérable, donc ça veut dire qu'on pourrait y retourner avec quand on voudra. Alors notre piège, il est où? Il est là. Petit coup de stase, ça fait toujours du bien. Voilà. Voilà. Et on va en prendre un petit troisième. Voilà, nickel. Allez, c'est parti, on retourne dans la lave. On a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va prendre le Slipknot. On va se balader dans le Slipknot. On va laisser Rosie dans Bertha. Heureusement qu'on a mis... je me répète, hein, mais heureusement qu'on a mis toutes ces... toutes ces balises.
ça nous permet vraiment bien de se repérer, hein, parce que vu comment on se perd trop facilement, ça sauve la vie. Clairement, ça sauve la vie. On peut prendre le tube. Tous dans le tube. Oui. Dans le tube. Oui. On prend le tube. Yeah, la vague était bonne. Ça frotte, ça passe. Ça frotte, mais ça passe. On ira plus vite avec le slipknot quand même. C'est passionnant de faire des allers-retours. Hein. Très passionnant. J'ai failli faire tomber le micro. J'ai failli vous éclater les oreilles. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Ouh, il y a un truc là au sol. Et quoi? Fragment de salle des scanners. Bon, on a déjà. Bon, c'est pas grave. Ça fait des compos. Ça fait des compos. On va stocker dans Bertha. Ouh, par contre, il va falloir réparer le slipknot. Hein. Il a pris tarif. Hein. Il a frotté, mais ça a fait quelques dégâts. Moi aussi, je sais le faire. Je regrette, moi aussi. C'est pas pour autant que je suis dangereux. Allez, attention, je passe. Je suis gros et imposant. C'est ce qu'il faut se dire. Comme ça, les prédateurs, ils ont peur de toi. Si tu te sens gros et imposant, tu le seras. Et quelle heure? Oh ouf, ça va, on a encore un peu de temps, on a le temps de visiter la lave. Et c'est reparti. On va réparer le slipknot une fois arrivé là-bas. Il en a bien besoin. Mais il peut aller qu'à 900 mètres le slipknot. Je crois qu'il pouvait aller à 1300. C'était pas 1300. Il est le MK3. On va vérifier. Je croyais qu'il pouvait aller plus loin. Et quoi ce délire? Ah oui, il est le MK3. Il peut pas aller plus loin. Hein. Sérieux. Really? Really négueux. Bon. On se balade où? Deux secondes. Hop! Voilà. Alors. Ça se fait qu'on a re-soif, on vient de se boire un petit Ricard posé tranquille. C'est vraiment un alcoolique hein, ce personnage. Hein. Il fait que ça, hein. C'est un puits sans fond. Si les monstres nous voient pas, si on les voit pas, ils nous voient pas. C'est ce qu'il faut se dire. Ils nous voient pas, je les vois pas.
Est-ce que c'est périmé? Non, ça a pas l'air. Non, ça a pas l'air périmé encore. Non, c'est pas périmé. On va les manger au fur et à mesure avant que ça périme. Ah! J'aime bien les bruits. On va le laisser là en espérant qu'il se fasse pas bouffer. On va l'éloigner. Pas prendre de risques. J'ai pas envie qu'il me le détruise. Moi j'y tiens. J'y tiens mon petit vaisseau. Je l'aime. Non, non, non. Tu me vois pas. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'attaques pas, tu me vois pas. Voilà. Il m'a pas vu. Il me voit pas, il m'attaque pas, il me voit pas. Il m'a pas vu. On va récupérer tout ça. Hop, ça peut servir. Et ça? Oh non. C'est vrai qu'on pouvait pas. Même dommage. C'est bizarre qu'on puisse pas le récupérer. Un diamant. Un autre diamant. Ah non, c'est du quartz. J'allais dire encore un autre diamant. Oh, j'allais dire, ouh, c'est la foire au diamant. Le quartz, on va arrêter. Hein, on va faire plein, sérieux? Ah oui. On va avoir une petite bouteille. Voilà. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. On rentre dans le... On rentre dans Bertha. On va vérifier qu'elle a pas été abîmée. Donc on était pas là. Hé, vire. Tu vire. Tu vire. Tu t'approches pas de Bertha. Bertha, c'est ma mienne. Voilà, tu vire. Toi aussi, tu veux te battre. Non mais oh, ça veut se battre de partout. Mais j'y crois pas. C'est quoi la vie? Oh, c'est bon. La vie elle est bien. Et des cassures? Ah non, il y a des verres. Il y a des verres sur la coque. Anti-incendie activé. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est verrouillé. On s'est retrouvé enfermé. On est enfermé dans notre propre vaisseau. Qu'est-ce qu'on a fait? On va pas l'annuler? Mais j'y crois pas. Bon, je peux au moins faire ça. On va regarder deux bouteilles et deux vies. On va déstocker ça. Hop, donc c'est dans Bertha, au moins c'est pas perdu. Là, nickel. Hop, on reprend encore de la vie. Là, deux vies. On a plein de vies. Il sauvegarde. Là, on est en place. Pour se balader. Mais non. On prenne Bertha. Il faut qu'on prenne Rosie. Bertha. Pauvre Bertha. On l'a insulté de Rosie. Et c'est parti. On y retourne. On y retourne. Est-ce qu'on a vidé Rosie? Non, on n'a pas vidé. Ouf, on va voir. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. On est là. Ça va.
Elle est pas pleine, pleine, pleine. Allez, on continue à s'avancer. Donc l'autre, le message, ça disait je veux vous aider ou je veux que vous m'aidiez. Je sais plus. On regardera, de toute façon ça a dû être enregistré le message. Y'a quoi là-bas? Y'a des portes. Y'a des portes. Oui, y'a des portes. Oh, on l'avait pas mis dans le Pokédex non plus. Hop, on l'a mis. Alors. C'est des portes, c'est des portes ça. Volcanique dans la région de Bonne. Donc on va le regretter. Il faut y aller sans Rosie. A l'air d'avoir des trucs intéressants. Y va. Il y a rien. C'est quoi ça? On dirait un mini cerveau. Yep. Bon. Enfin. C'est juste des cailloux de lave. Ok. C'est pas intéressant. Là c'est du plomb, du fer, c'est du titane. Là c'est pas au moins de la priorité. J'ai rien à comprendre pourquoi je voyais mal et mon écran était trop bas. C'est mieux. On va se mettre tout en haut. Et quoi? De l'or. Tout en haut, il y a de l'or. Et... Le gros stalactidien, il n'y a pas l'air d'avoir un truc intéressant. D'ailleurs on en a assez pour faire le MK3 pour Bertha. On a une croix. Pour le moment on est toujours en train de s'éloigner. Bon signe. Ah merde. Pardon. J'ai périmé. Piche. Diantre. Zut. C'est plus joli. J'ai l'impression que... On a fait le tour. Hein. Enfin, pour moi, on a fait le tour. Compo, on a ce qu'il faut. Enfin, on n'a pas besoin pour le moment. J'aimerais bien trouver un dépôt, débris, comme ça, pour avancer.
Peut-être avoir les batteries ioniques. Là, ça va être trop profond. Ça va être trop profond. Ça fait... Moi, Rosie Tarzan, Rosie-zan de la jungle. Et pourtant, le il a le MK, mais il a que le MK. Il va falloir qu'on regarde pour faire le MK2. Alors, le prône, le prône. Les véhicules, on s'en fiche. Le Cyclops. Cyclops, note. MK2 pour prône. 5 titanes, 2 et 3. Et ben c'est bon, on peut le faire. Ah d'accord. Bon, il va falloir qu'on aille chercher plus de cristal bleu. On va sortir vite fait. Quartz, ça. Ouais, c'est du quartz. On va essayer de voir s'il y a des trucs. On va pas détraîner trop longtemps parce que l'oxygène ça va pas le faire. Bon. Juste voir vite fait. Même si on va mourir. Ouais, non. Bon. Mais on sait ce qu'il faut faire pour le prochain live. Faut qu'on fasse le MK3 de Rosie. Pour pouvoir y aller avec Rosie. On va essayer de choper un cristal bleu supplémentaire. Et je pense que là, on va rentrer à la maison. Et faire les MK. Je pense même qu'on peut peut-être amener... peut-être réussir à amener Rosie juste... Bertha jusqu'ici. Il y a moyen. On va essayer d'en choper 3 de plus. AL2SIO5. Le profond, respirant la chaleur. Ok. J'arrive, il va rien me donner. Ah si, un seul. Oupi. Il m'en a filé qu'un. Mais quel ratin. Deux. Il en manque un. On va essayer de le trouver sur le chemin du retour. Gagner du temps. Et on va regarder si on peut pas faire une baie d'amélioration dans le Cyclops. Ou même carrément si on faisait un petit... petite maison dans le domaine de lave. Ça nous éviterait de taper des allers-retours à chaque fois. Moi je pense que ça peut être une bonne idée. Juste faut pas qu'elle se fasse détruire. Ça c'est une autre question. Alors on trouve un petit coin où il n'y a pas de monstre. Ça va être dur. Là. Là il est long ce cristal là. Il a l'air long et dur ce... Pardon. Ouais, on a réussi à casser. Pas sûr qu'on y arrive. Il veut pas.
Attendez, on va se rapprocher. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hé, tu m'attaques? Je vais te battre. Je vais te taper, toi, tu vois. Un truc de fou. Deux d'un coup. Waouh. Ah. Je crois que tu m'avais dit stock plein. Bon, on va en avoir plein à force. Oh, il est généreux celui-là. Long. On s'endort. Ellie, reste à bout. On va le casser. C'est bon, on l'a eu. Allez, on rentre à la maison. On rentre dans Bertha, du moins. Je vois l'heure. On a juste le temps de faire les... la chance. Ouh la chance. On a bien atterri. On a failli fondre. C'est le mot, hein. On a failli fondre. Je vais te battre. Tiens, moi je te... Mais lol, Rosie elle est... et nage. Tu veux te battre toi aussi? Non. On a failli perdre Rosie. On a failli faire fondre Rosie. Alors c'est parfait, c'est tout droit. Tout droit. Dommage que ça attrape pas dès qu'on s'y approche en fait. Il faut vraiment un point spécial. Bon après il allait être large le point mais bon. Hello. Y a pas de baie d'amélioration je présume. Non. Ok. On peut en créer une.
pas l'impression. C'est dommage qu'on peut pas faire plein de trucs. Plein d'améliorations. Ah, mais j'ai trouvé comment rentrer dans l'inventaire de Rosie. Qu'est-ce qu'on fait? On va déstocker, je pense. On va juste garder le cristal bleu. Ouais, je partirai sur garder le cristal bleu, regarder ce qu'il nous faut. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Le K2 du Cyclops. Ok. Et Rosie. 5 titanes de lithium, on a ce qu'il faut. Clairement ce qu'il faut. Et lingot de plastacier, on a ce qu'il faut aussi. Ok, donc au retour, on pourra le faire. Garder 4 et déstocker. On va finir de déstocker Rosie. Comme ça, on l'a vite. Quand on y retournera au prochain live, on pourra vraiment faire une recherche complète. Et brisé. Toc, toc, toc. Ah, c'est pour les propulseurs. L'amélioration des propulseurs. Plein de vie aussi. Très bien. Là, on a faim. Ça attendra. Ouais, ça attendra. Non mais oh. Allez, on va essayer de rentrer à la maison. Faire le MK2 de Rosie. Je pense qu'on arrêtera là. Vu l'heure. Bon, s'il nous voit pas, on n'est pas là, comme d'hab. Vous le savez très bien. Si on le voit pas, il nous voit pas. On le voit pas, il nous voit pas. Mon vaisseau, oui, mais j'ai réussi à le rater. Welcome aboard, Captain. Allez, c'est parti. Oh, rien, c'est un rocher avec des plantes. Rien de bien méchant. Oh, c'est parti pour une balade interminable. Ah, par contre, vaut mieux réparer. Il peut nous arriver des bricoles sur le chemin. C'est pas avec aussi peu de vie. On va survivre. Allez, c'est parti. Ça va être passionnant. Ouh, je sens que ça va être passionnant. Comme d'hab. Comme d'hab. Franchement, ils auraient vraiment dû mettre un téléporteur. Pour la maison, au moins. Comme dans Terraria. Mais plein de jeux le font. Hein. La pierre de retour. La pierre de foyer. On va
après, oui, je sais, si je meurs, je suis instant TP là-bas. C'est pas faux. Mais bon, on va éviter de mourir, c'est dommage. C'est dommage de mourir comme ça. On meurt assez comme ça. On est constamment en train de mourir pour rien. On va éviter de mourir quelque chose. Ce serait très bête. Regardez pas où j'allais. Vous voyez pourquoi j'ai réparé. J'étais sûr qu'il allait nous avoir fait des bricoles. Pendant que le Léviathan nie pas. Hop là, esquive. Oui, j'avoue, je regardais toujours pas. Mais c'est pour la bonne cause. Je suis en train de mettre le crâne sur l'Insta. Après, il sera trop tard. Voilà, c'est bon, j'ai. Oui! On y est bientôt. Voilà. Il y a un truc qui pète, il y a un truc qui pète. Oh, mais c'est pas grave. Heureusement qu'on a réparé le slip latin. Sinon, il lui resterait quoi? PV? PV à tout péter? Peut-être moins, même. Bienvenue à bord, Captain. Alors. Par contre, je crois qu'on a fait le gros abruti. Et que pour faire le MK2, ou le MK1. C'est ça. Le MK2 ou le MK1 et on l'a pas pris. Bon. Bah, je crois qu'on va arrêter là. Et on va pas se retaper le chemin inverse. Hein, c'est complètement idiot. Je le ferai soit en off, soit avec vous. Je verrai. Ça vous donne rendez-vous demain. Demain après-midi, si tout se passe bien. Vraiment demain après-midi. Petit live vers 17h. Vers, je dis bien, parce que ça sera pas à 17h pile. De 17h à 19h, petit live, comme je l'avais dit sur le Discord. Ça, on se revoit avant le week-end. Alors, on va récupérer beaucoup de bouffe. Là, il faudra que je regarde comment on fabrique les barres là, les barres de nutriments. Ça serait intéressant d'avoir un plan ou un truc comme ça, de les cuisiner. C'est dommage qu'on peut pas les cuisiner. Il
même nul qu'on puisse pas les cuisiner. Ah, j'appuie sur les mauvaises touches quand tape la marche arrière. On va pas y arriver. Hein. Voyons voir. On va aller voir la centrale nucléaire. C'est vrai qu'on n'est pas allé la voir une seule fois depuis qu'on l'a fabriquée. Alors, ça dit quoi? Ça a l'air de fonctionner. Ça a pas l'air d'avoir de... Ça a l'air de bien turbiner. Et... Là, ça nageoule tranquillou. Et pour là... Ah, mais l'œuf, il est en... Comment ça se fait qu'il y a encore un œuf? Ils ont produit un œuf. Ils ont fait... Ils ont fait des cochonneries pendant qu'on était pas là. Ils ont fait un œuf. Ils sont dégoûtants. Ils ont fait des câlins pendant qu'on était pas là. On va changer quelques batteries. Et c'est bon. Voilà. Bon. Et ça sert à rien d'insister. Le Ricard est prêt. Petite lampée. Allez, à votre honneur. Petite lampée pour vous. Ouais, c'est ça. Il nous fallait le MK2. Ouais, voilà, c'est ça. Il nous faut le MK1. Bon, bah c'est pas grave. On ira le chercher. On aurait pu le récupérer en plus, hein. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça sert à rien d'insister. On a... plus rien à faire. Par meubler bêtement, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Petite sauvegarde. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine fois. Bah, je vous dis à demain si tout se passe bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre. Et ciao!